une source et de partager en fait le projet. Bon, là il y a le musée. En fait, ça c'est le premier ordinateur qui a été acquis par Jeune Science. C'est le premier ordinateur du type qui est probablement acquis en Tunisie. Parce qu'avant il y avait des grandes salles qui étaient occupées par des ordinateurs. Voilà. Et donc tous les jeunes de mon âge ont appris sur cette machine. Alors juste on l'a mis pour le contraste. Ici donc en fait c'est une salle de conception assistée par ordinateur. Donc ils ont la plateforme numérique pour concevoir des systèmes, des objets. Ils peuvent se faire aider par un scanner 3D qui sont conçus et dessinés. On passe à l'impression. Donc en fait comme les imprimantes pour imprimer un texte, là on a des imprimantes qui produisent des objets. Donc on peut obtenir des objets dans cet esprit-là. Ah, c'est toute l'histoire de la Tunisie. Voilà, toute l'histoire de la Tunisie. Et donc là, on a en fait trois technologies d'imprimantes. Il y a des imprimantes relativement simples, mais en fait qui sont des open source, on les appelle des open source, parce qu'en fait, on peut même tout fabriquer ici. À tous, la bienvenue au sein de ce Fab Lab, une première en Tunisie. Vous avez pu voir effectivement qu'on peut découvrir ici, et ça a été indiqué tout à l'heure, depuis les technologies les plus avancées, on a vu un scanner 3D, jusqu'aux outils de base. Il y avait une clé de 20, je l'ai vu. Et je pense que c'est l'utilisation de toute cette panoplie d'outils qui va permettre aux gens de découvrir des choses, d'apprendre des choses, de créer, de développer, de tester une idée, de tester une passion. Ce Fab Lab, il fait partie d'un programme qui, je peux le dire, est le programme emblématique de la Fondation Orange actuellement. Et je voudrais, à travers deux, trois points, vous rappeler l'engagement de la Fondation Orange autour de ce programme. Alors, d'abord, ce programme, nous l'avons lancé fin 2014. Aujourd'hui, il concerne 32 Fab Labs qui sont soutenus dans les pays où le groupe Orange est présent. Donc, 32 Fab Labs dans 9 pays. Et ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que cet engagement, nous voulons l'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que nous avons réalisé, je dirais, la première étape, mais il y en a encore d'autres. Et j'en veux pour preuve qu'actuellement, il y a un appel à projet en France pour que nous puissions soutenir de nouveaux Fab Labs. Et début 2016, nous avons lancé un deuxième appel à projet à l'international, vers tous les pays, pour que, y compris la Tunisie, si la Tunisie est intéressée, vous puissiez à nouveau présenter des projets que nous puissions soutenir. C'est vous dire que nous voulons faire de ce programme un programme international, un programme fédérateur pour le groupe Orange et un programme donc, qui va s'inscrire dans la durée.